Bah écoute, très difficile au matin d'ouvrir la route quand même, hein. Méfiant sur les petits pièges, les boues, les flaques d'eau. Bon, on n'a pas été dans le coup tout de suite à cause de ça. Maintenant, plusieurs abandons tout au long de la journée. On a essayé d'améliorer au fur et à mesure. On est troisième à l'arrivée, peut-être deuxième parce qu'il y a quelques temps qui doivent être revérifiés. C'est une belle place, vraiment une très très belle place. On te revoit où cette année ? Je serai d'ici une quinzaine de jours sur le rallye d'Anu. Bon, on est parti relativement prudemment avec, je vais dire, une vraie marge de sécurité. Et puis dans la deuxième boucle, on a décidé d'attaquer un petit peu. Donc dans la 1, on était assez calme. Et puis dans la 2, qui était une spéciale quand même très piégeuse, etc., j'ai vraiment posé une attaque en disant je vais essayer de repousser un peu les adversaires, ce que je suis arrivé à faire. Et puis après, on a tout simplement géré, on a eu une crevaison qui ne nous a pas fait perdre trop parce qu'on était, je vais dire, aux alentours de deux tiers de la spéciale. On perd sur notre meilleur temps une minute, mais sur notre principal adversaire, Étienne Courtin, on perd 25 secondes. Et puis, chance, on avait assistance, donc on a pu remettre de nouveaux pneus à l'avant et partir pour les deux dernières compliquées sans phare, puisqu'on a été bloqué 50 minutes. Mais l'ensemble, très bien pour un retour avec mon ami Jacques ici, avec qui on avait refait une pige l'année dernière en rallye sprint, mais en rallye, il y avait quand même 9 ans qu'on n'avait plus roulé ensemble. Et voilà, ça s'est bien passé, on s'est très bien amusé. C'était très compliqué, ce que moi j'adore, c'est un type de terrain que j'aime bien. C'est compliqué, c'est difficile, il y a des pièges, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, rendez-vous à Anu dans 15 jours. Écoute, ça a été une journée, je vais dire, compliquée. Ça va faire rire ma femme et une copine à elle, mais ça a vraiment été très compliqué. Le matin, j'avais fait un mauvais choix de pneus. Je me suis entêté pour la deuxième demi-boucle avec ces pneus. Et puis, j'ai finalement changé. J'ai opté pour le full pluie. Et là, les temps commencent à tomber. Malheureusement, Zaza a abandonné. Je pense que sinon, il aurait une course. C'était plus dans un fauteuil, c'était dans un divan. Et bon, on s'est tiré la bourre avec John toute la journée. Et ça a vraiment été une journée... compliqué, voire très compliqué, parce que le temps était non pas changeant, mais le fait du passage sur la route et tout, une accumulation d'eau, même nous avec les 4x4, on était en aquaplaning. Donc je pense que John a vraiment dû s'emmerder avec la Porsche, là. Ça devait vraiment lui être très compliqué, parce que nous c'était déjà vraiment, vraiment difficile. La course a été longue quand même, des conditions qui n'étaient vraiment pas faciles. Le matin, on était quand même parti sur un bon rythme, ce qui nous a vraiment... on a quand même fait 3-4 scratchs, je pense, même dans la dernière ici encore. Donc on a quand même prouvé qu'on arrivait à aller vite, même face au Mitsu en 4 roues motrices. Mais ce qui a vraiment été difficile pour nous, ça a été la spéciale Douffet, où on prend presque chaque fois une demi-minute, 30 secondes en moyenne sur les 3 passages. Énormément de terre, très cassant, donc c'est vraiment pas adapté à la voiture. Le but n'était pas de la casser, parce qu'on roule quand même dans 3 semaines au Spa Rally. Et pas prendre des risques, parce qu'on n'est pas tous les deux, et priorité à la sécurité avant quand même. Très compliqué le matin parce qu'on devait apprendre la voiture et surtout des conditions climatiques catastrophiques. Donc avec les abandons et tout ça, mais pour finir, on finit troisième, on est très content. On voulait surtout faire des kilomètres avec la voiture, nous. Et on finit troisième, c'est merveilleux. Mieux que ça, c'était pas possible. On te retrouve où après ? Ah ben, je roule le dimanche prochain au rallye sprint de l'Homme, donc à Freux, là, près de Libramont. Et puis ce sera 3 ponts, et puis on verra, la suite on verra. Eh bien, une course, je vais dire, empreinte d'émotion, mais super, une condition très difficile, mais je voulais pas me laisser avoir et j'ai attaqué, je pense, très fort dès le début et ça a été payant.
pour moi, voilà, magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense que j'ai quand même fait pas mal de scratch, à part ici dans la 3 où c'était un peu plus compliqué pour moi parce que je savais que ça glissait fort. Et à mon avis, c'était compliqué, mais super course. Tu revois où après ? Ah ben à 3 points avec Geoffrey Razzi. On reforme un vieil équipage, donc ça va être bien sympa aussi. Bien démarré, pas trop prudent comme d'habitude, ici t'es un peu plus engagé, battu d'évolution terrible, une belle bagarre avec Laurent, mais il faut dire quand même que Laurent était plus fort aujourd'hui, mais voilà, avec le temps qu'il a fait aujourd'hui et tout ça, on peut être fier de nous, de moi et mon papa. Non, c'était vraiment bien, chouette, vraiment chouette beau rallye, belle organisation, pas trop d'accidents, mais il y en a quand même eu, mais voilà, mais c'est les aléas de la course, et voilà, sinon super. Thank you.